Et bonjour. Donc voici un témoignage sur l'abbé Pierre. Voilà. De temps en temps, c'était rare quand il passait à la télévision, mais je connaissais son histoire. Voilà, que c'était quand même un homme qui, un saint homme pour moi, hein, qui s'est beaucoup occupé, préoccupé des pauvres. Voilà, qui a fait de sorte quand même de trouver des toits pour un toit pour les accueillir, pour les nourrir. C'était voilà, il se battait pour ça, pour la pauvreté. Voilà. Et donc de temps en temps, il y avait des petits reportages. C'était rare. C'était rare. C'est vrai qu'on préfère autre chose, montrer autre chose. Mais bon, voilà. Donc, j'apprends aux infos donc, que l'abbé Pierre était mort, voilà, qui venait de décéder. J'étais peinée, je me disais qui va reprendre la relève. Voilà. Et un peu triste, bon. Mais bon, cet homme, je pensais souvent à lui, souvent parce que j'avais. Il avait du cœur, je veux dire. Il faisait vraiment bien sa mission. Moi, parfois, surtout, parfois le soir, quand je voyais des clochards dans la rue, je faisais de sorte vite de rentrer à la maison, de faire vite une soupe, quelque chose de chaud, et je leur redescendais dans des tupperwares, je faisais de sorte qu'ils aient des vêtements. Quoi d'autre? Couverture, surtout, parce que ça me faisait de la peine. Je culpabilisais, en fait. J'ai toujours culpabilisé, c'est-à-dire que moi, j'avais une maison et eux, ils étaient à la rue. Voilà, c'était comme ça, hein. Ça se commande pas. Et donc, j'ai toujours fait ça, en fait. Voilà. Après, je donnais du linge de mes enfants. Parfois, c'était pareil aux Roms, là, aux Roumains, là, qui faisaient la manche. Donc, je leur donnais. Enfin, bref. Enfin, voilà. J'ai toujours fait ça. Quand j'ai pu aider, je l'ai fait. Voilà. Et donc, j'apprends à la télévision que l'abbé Pierre est décédé. Et ça m'a fait de la peine. Hein. Je dis, j'espère, voilà, il est parti. Quand même, il était âgé. Jusqu'à la fin, il a tenu à aider les pauvres. Et ça m'a touchée. Voilà. Et le soir même, donc je dormais tranquillement. Et c'est toujours pareil. Je sentais une présence dans la pièce. Et j'ouvre les yeux et je vois, comment on va dire ça, une masse rouge. Qui m'a envahi en fait le plafond. Et je ne comprenais pas, je dis c'est quoi ça, mais un rouge vif, vif. Et d'un coup, je sens une présence à côté de moi, je tourne la tête et qui je vois? Je vois l'abbé Pierre. D'ailleurs, je vais faire une TCI sur lui en vous racontant cette histoire-là. Voilà. Donc, il était là, il était habillé donc avec une belle, on va dire une tunique. Il avait son chapelet autour du cou. Il était debout à côté de moi, et il priait, mais il était enveloppé d'un aura, on va dire l'aura. Voilà. En fait, c'était un nuage, une brume rouge, autour de lui. Et je ne comprenais pas pourquoi cette couleur. Pourquoi cette aura était rouge? Et j'ai qu'est-ce qui fait chez moi? Pourquoi il est là en fait? Et j'ai pas eu peur, hein. Non, j'ai pas eu peur. Je me suis mise à prier aussi intérieurement. Je me suis dit peut-être qu'il vient me dire au revoir ou un petit coucou. Il ne m'a pas parlé, hein. Je précise bien, il était juste là, à côté de moi. Il priait avec son chapelet et l'aura qui l'enveloppait, une aura rouge. Voilà. Et c'est vrai que parfois, quand je prie le soir, comme par hasard, je m'endors. Hein. Donc, je me suis endormie. Puis le matin, quand je me suis réveillée, naturellement, il n'était plus là.
Donc voilà, donc je ferai une thèse sur l'abbé Pierre. C'est vrai que j'y pense que maintenant. Pourquoi il est venu me voir, je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Voilà mon témoignage. Merci. Thank you.